Salut à tous, et aujourd'hui on va lancer la série des Non mais t'en penses quoi? Et tout simplement on va faire une série dans cette série, qui est la série d'ailleurs qui sera composée en 10 épisodes. Tout simplement ces 10 épisodes sortiront avant l'événement tant attendu de Avengers Endgame. Et tout simplement on va consacrer les épisodes de chacun à un personnage survivant de Avengers Endgame. Bon, je tiens à préciser que je ne vais pas faire non plus Pepper Potts ni Happy Hogan, voilà tout simplement, Valkyrie non plus, je vais parler vraiment des grosses têtes d'affiche. Et plus ça va, plus on découlera dans des personnages un petit peu moindres. Enfin bref, tout ça pour dire que ce premier épisode, qui sera forcément sur les meilleurs super-héros qui soient, j'ai nommé Captain America. Ouais, tout simplement, le premier super-héros, le premier Avenger, le premier super-héros chronologiquement, le super-soldat que l'on aime tous. La bannière étoilée, enfin je pourrais en sortir plein d'autres dés comme ça, mais simplement le capitaine, c'est le capitaine. Donc tout simplement, rien pour lui rendre hommage, on va commencer par lui. Donc du coup voilà, tout simplement le Captain America qui a eu une évolution, on va dire, lente sur tout le MCU. Tout le MCU, voilà. Bon, je tiens aussi que dans ces épisodes-là, je vais parler des évolutions des personnages et en priori ce que j'ai bien aimé chez leurs évolutions, etc., etc. Du coup, tout simplement, pour commencer, l'évolution de Captain America. Tout simplement, il a commencé en tant que jeune petit homme frêle, voulant s'engager à la guerre, mais n'ayant pas le physique, rien que son asthme, ne pouvait pas le faire. Ouais, bon, ça, je sais, je reprends les termes du film. Donc, Captain America, The First Avenger, tout simplement, qui a été décongelé, donc... Cet homme est un homme traumatisé par la guerre, bon, comme tout homme qui ont fait la guerre, je pense. Il a vu des trucs qui n'étaient pas beaux à voir. Son super vilain préféré, du moins le premier, est revenu il y a peu au cinéma. Son deuxième super vilain est en réalité son meilleur pote et son troisième super vilain. Mais en fait, il a un problème caractériel, ce mec, je crois. Il doit avoir un problème avec ses potes. Tout simplement parce que dans Captain America 3 Civil War, le méchant c'est Iron Man. Bref, tout simplement pour vous dire que ce mec, bon, il a des amis, mais il sait pas trop les tenir. Enfin bref, tout simplement le Captain America et le Captain America, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin bref, du coup le Captain qui dans First Avenger devient enfin le super soldat, le super héros que l'on connaît tous. Bon, je vais pas vous raconter non plus son histoire. 3, 4. Je vais pas non plus raconter son histoire, parce que voilà, ça c'est pas mon rôle, voilà, je vais vraiment expliquer son évolution. Ensuite, à la fin de Captain America 1, il se fait dès Captain America est de retour dans le présent à la fin du film Captain America The First Avenger, et après, c'est tout ça pour nous annoncer le Avenger numéro 1. Voilà, où que Captain America n'a pas forcément une superbe évolution, mais qui voit l'un de ses copains, enfin, copain c'est un grand mot, mourir. Oui, je parle bien de Philip Coulson, l'agent du SHIELD, voilà. Bon, de là, un mort, machin, sachant que dans la dernière fois qu'on a vu Captain America, son meilleur pote James Buchanan Barnes est mort, enfin, est présumé mort. Donc du coup, cet homme a vécu quand même pas mal de morts. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'a pas revu sa chérie, enfin sa femme bien-aimée, alias Peggy Carter, depuis au moins 70 ans. Enfin, lui, il s'en fout, il dormait. Le temps passe vite quand tu dors. Ensuite, la prochaine fois qu'on le voit, c'est pour le Captain America et le Soldat de l'Hiver. Le Soldat de l'Hiver qui est en réalité James Buchanan Barnes, son meilleur ami, qui n'était pas mort. Et qui se retrouve avec un bras en métal. Enfin, ça c'est juste la classe. Voilà. Donc du coup, cet homme héroïque et patriote ne veut pas tabasser son meilleur pote, puisque c'est son meilleur pote et qu'il ne voit pas l'intérêt de tabasser. Tout ce qu'il veut, c'est faire en sorte qu'il évite de fouiller dans son cerveau dès qu'on parle d'une phrase avec un wagon. Enfin bref. Tout simplement, après, prochaine fois qu'on le voit, c'est dans Avengers, l'ère d'Ultron. Et là, le Captain America commence à devenir un petit peu plus sombre et un petit peu plus intéressant. Tout simplement pour cause qu'il a failli buter son meilleur pote. Mais aussi, tout simplement, pour nous intégrer la querelle avec Tony Stark, qui est « Nous devons sauver tout le monde ». Et Tony Stark est « Non, nous devons sauver un maximum de personnes ». À peu près ça, hein, excusez-moi. Des termes exacts, mais voilà. Donc du coup, là vient les accords de Sokovie et nous projette directement dans Captain America Civil War, là où le Captain a la plus grosse évolution, tout simplement. Enfin, du moins, pas tout de suite, ça devient entre Endgame, entre Infinity War et la guerre civile, voilà, tout simplement, pour tout simplement laisser place à
antagoniste dans les comics nommé Nomad. Nomad qui est en réalité Steve Rogers sous les traits d'un autre personnage assez fugitif, voilà tout simplement. Donc du coup, voilà un petit peu l'évolution du Captain America. Il est passé du super-héros patriote à un homme recherché par le gouvernement. Bon, la transaction était plutôt longue, ils ont quand même mis environ 10 ans à faire cette transaction, mais je trouve cette transaction juste réelle et géniale. Tout simplement car le Captain est encore bloqué dans les années 40 et il voit le monde encore tel qu'elles étaient dans les années 40. Même si le monde a vachement évolué, que toutes les technologies sont forcément le dépassent de loin, même de trop loin, le Capitaine reste néanmoins le soldat patriote. Voilà, donc ça c'était pour le Captain America. Donc du coup, voilà, si ce format vous plaît un petit peu, que je parle un petit peu des évolutions des personnages, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire d'ailleurs. De toute façon, il sortira 2 épisodes par jour jusqu'à Endgame. Voilà, sauf le mardi ou que là, bah non, même le mardi, il en sortira 2 quand même. 3, 4. Donc, du coup, voilà, même le mardi, il sortira 2 épisodes consacrés à des personnages, certes un peu moindres, un peu moins attendus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas que des têtes d'affiche dans les survivants. C'est pas de ma faute à moi. Enfin bref, à la prochaine soldat, et n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo-là, il y a aussi celle de Iron Man qui va sortir en même temps. Donc sur ce, au revoir soldat, et à une prochaine.